bienvenue sur Twitch, il y a de l'électricité dans ma cabane, donc on va pouvoir faire ce fameux dernier live de l'année. J'espère qu'on n'aura pas d'autres mauvaises surprises, croisons tous les doigts. Un petit coucou au barbu, t'es là, on t'entend? Est-ce qu'on m'entend moi déjà? Hey, je suis là. Donc il y a une caméra sur moi, ouais. Une caméra sur le barbu. On est même tous les deux. Voilà, il y aura bien sûr la caméra qui est en haut, pour que vous voyez ce que je trafique sur la table de coupe. Et la dernière caméra, elle est devant la machine avec la nouvelle installation qui nous permet de filmer comme si vous étiez à la moi. C'est pas le one person shooter, c'est le one person couseur. Voilà, donc vous cousez avec moi, vous êtes à la place de mes yeux. Et pour moi, bon, je m'y suis habituée parce que c'était pas facile au début. Bref, vous allez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tu as fait le haut en jean, nous dit Isabelle. Le haut en jean, ça, oui, bah, c'est un haut de la capsule. Voilà, de la capsule de formation qui, pour ceux d'entre vous ne le savent pas, est sortie dimanche, qui a pas mal de succès. On est super contents parce qu'on y avait vraiment mis nos tripes. Et donc, ça a l'air de bien vous plaire. On a déjà des super retours. J'espère que vous allez bien vous amuser avec tout ce que je vous propose dedans. Donc oui, ça, c'est un top issu de la capsule. Et figurez-vous que c'est la première fois que je me fais à moi un top avec des manches froncées en haut. J'ai toujours pensé, comme je suis un petit peu ronde, que ça ferait trop de volume. Et en fait, je trouve que c'est le contraire. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que ça donne un peu de carrure, mais que ça équilibre bien la silhouette. Bref, j'aime beaucoup ma robe. Vous risquez de la voir très souvent. Bonjour à tous. Et je vois qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Ah, bienvenue. Je ne sais jamais si on dit Guylaine ou Ghislaine. Je sais. Bah, il y a les deux. Hein. Il y a des Ghislaines et il y a des Guylaines. Voilà. Donc, on a une Ghislaine ou une Guylaine 50 qui nous dit que c'est une première pour elle. Donc, on lui souhaite bienvenue. Bienvenue. Au live de la cabane. Voilà. Qui sont des lives de haute technologie, haute technicité, avec jamais aucun une avarie. Non, jamais eu aucun problème. Tous ceux qui viennent depuis longtemps peuvent le témoigner. On n'a jamais eu de panne d'électricité, si donc on n'a jamais eu de panne de... Qu'est-ce qu'on a eu? Des problèmes d'Internet? On a eu, oui. Cet été, où on n'a pas pu. On n'a jamais eu non plus une sewing saw complètement en nage parce qu'il faisait 45 degrés dans la cabane et qu'on n'arrivait pas à coudre parce qu'il y a tout qui glissait. Non, jamais. Aucun problème pendant les lives. Des chiens qui nous font tourner les caméras. Ah, il y a eu ça aussi, effectivement. Ça, là, les chiens, ils sont dans la maison. De toute façon, il pleut tellement que les pauvres, ils en peuvent plus. Ah, ben, on peut peut-être dire un truc sur les cartes cadeaux. Parce qu'elle le précise dans les messages, mais il y avait un bug un peu sur les réponses automatiques du site. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent offrir la formation, il y a donc des cartes cadeaux, comme on l'a expliqué dimanche, mais la carte va arriver physiquement, c'est-à-dire comme une carte postale, enfin dans une enveloppe, chez la personne qui offre la formation. Elle ne va pas arriver par le biais de l'ordinateur. Ce n'est pas une carte virtuelle, c'est une carte physique. Donc, elle va arriver dans votre boîte aux lettres. Mais effectivement, notre site a une réponse automatique quand on vend quelque chose sur la boutique, ou que ce soit ou la formation, c'est que vous recevez un mail qui vous dit que vous avez votre produit. Mais en fait, pour le coup, vous ne l'avez pas, puisque c'est un produit physique. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir dans la boîte aux lettres. Allez, on s'en sent cousette. Bon, vous avez peut-être envie de coudre un peu. On coud. On se fait notre dernière cousette, rien que pour nous, pour la fin d'année. Allez, c'est parti. Allez, donc on commence officiellement. Tout le monde est prêt? Attends, on prend le traditionnel, tout le monde est prêt pour lancer le top départ. Je sais pas, tu nous fais une petite présentation. De toute façon, comme ça, ils vont préparer leur pièce, mais je pense qu'ils ont l'air prêts. Ben, ils ont l'air prêts. Vous avez votre fer à repasser. Selon ce que vous avez choisi comme matériau, vous en aurez besoin ou pas. Si vous avez choisi du simili-cuir, pas. Mais sinon, oui. J'ai eu le temps de voir dans le chat qu'il y a des gens qui devront partir avant la fin. C'est pas grave. Mais de toute façon, vous trouverez la cousette. Elle sera sur Twitch pendant 15 jours. Le vrai live entier. Et la cousette sera dimanche sur YouTube. Ouais. Tout à fait. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. Action couture. Allez, bim. Salut, ça va vous? On recommence, une impression de déjà vu. Allez, on va se lancer en couture du coup. On va partir sur notre petit sac. Je vous l'ai proposé en deux tailles. Donc, en fait, j'ai fait la taille qui me convenait, la taille adulte, on va dire. Donc, pas trop grand, hein, petit sac de soirée. Et puis, j'ai fait une taille plus petite. Alors là, je ne l'ai pas tout à fait terminée, je la terminerai avec vous. Je n'ai pas mis de fermeture. Mais donc là, c'est une taille enfant. Enfin,
une petite taille. Je sais que souvent on aime bien avoir le même sac que maman ou que mamie, ou, et puis c'est les vacances bientôt, donc même si vous ne la cousez pas aujourd'hui, pendant les vacances, vous pouvez la coudre avec les petits, même avec des enfants de 10 ans, 12, 11 ans, même 8 ans, on peut commencer à utiliser la machine. Sous votre surveillance, hein, les petits ils peuvent aider un petit peu. Bon, donc on peut le faire un petit peu avec les enfants. Donc ça peut être une activité super sympa parce que vous allez voir, c'est vraiment hyper facile. En fait, c'est une pochette, hein, tout bêtement, mais elle a un petit système de pliage. Alors, on le voit bien sur celui en cuir ici. Voilà, elle a un pliage spécial qui fait que du coup, elle a un fond. Donc, alors, elle peut tenir debout à peu près quand elle est un peu pleine, hein, parce que quand elle est selon le matériau que vous allez utiliser, quand elle est vide ça tient pas trop, mais regardez, si elle tient quand même la grande, donc elle peut tenir un petit peu debout, elle a un peu plus de fond et puis ça donne qu'elle a un petit effet qui est plutôt sympa sur le côté. Un petit effet sac à dos peut-être, non, hein? Non, c'est pas un peu l'effet sac à dos? Alors ça fait un triangle comme on avait dans le sac à dos, mais c'est vraiment un pliage, il n'y a aucun découpage à faire. On va plier notre rectangle d'une certaine façon et ça va donner ça lors de la couture. Donc ça se fait tout seul. Et l'avantage, c'est qu'on a une pochette. Moi, je me dis que je vais essayer de trouver comment adapter ce système aux trousses, parce que là, par exemple, j'ai une pochette en velours. Je vous l'ai dit dans le blog, ça a été un peu casse-pied à coudre parce que c'était velours contre velours et bon... Voilà, mais vous voyez, donc là j'ai mon pliage à l'extérieur, j'ai toute ma pochette, mon sac extérieur, et je peux le retourner entièrement, et j'ai un deuxième sac, voilà, l'extérieur est devenu l'intérieur, et donc j'ai un deuxième sac, donc à la limite, un pour Noël, un pour le premier de l'an, ou un pour cet hiver, un pour cet été, ma foi, ça peut être pas mal. Ça marche bien avec la chaîne. En plus, voilà. Et alors, pour la fermeture, j'ai choisi de ne pas vous proposer qu'on fasse une sangle. Ça rajoute des coutures, forcément, et ça prend un temps. Et puis, je trouvais que ça, le côté festif de la chaîne, ça donne un petit côté, justement, soirée, quoi. Donc, vous pouvez, ce que j'ai fait moi, utiliser une chaîne d'un autre sac. Ça vient d'un sac que j'ai depuis des années, qui n'est pas une création Sewing Sew. J'ai récupéré la chaînette. Et je suis venue la clipser sur mon sac. Voilà, on en trouve aussi hein, à l'achat des toutes prêtes comme celle-ci. Voilà, que je vais pouvoir mettre sur la selle du jour. Donc on peut mettre et puis on peut l'enlever pour en faire simplement une pochette. Ou alors on peut acheter, ça coûte pas cher, pas très cher, ça dépend dans quel magasin vous allez, mais de la chaîne au mètre. Pour mon sac de soirée, là il y a 1,10 m je crois, mais je ne suis pas très grande, donc à vous de mesurer aussi. Donc j'ai 1,10 m de chaîne. Et tout simplement, alors je ne l'avais pas fini de l'attacher des deux côtés, mais tout simplement on ouvre ici un maillon et puis on va venir le glisser dans la petite anse qu'on a préparée là sur le côté. Hop, et on la referme avec un petit coup de pince. Donc c'est vraiment très simple et ça coûte pas cher du tout. Je crois que celle-ci j'en ai pour 5 euros. Donc comme tout le reste est de la récup, ça me fait un sac de Noël à 5 euros. Ça va, je trouve. Ok, donc ça c'est le principe des sacs. Est-ce que, voilà, tout le, des questions sur ça, sur le principe? Alors, ouais, tout le monde a l'air de suivre. On a un silence dans le chat. Tout le monde référie qu'ils ont bien leur matériel. Ok. Oui. Ok, bonjour, voilà. Je prends en cours de route, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à ceux qui arrivent. Et c'est parti. Donc le sac, je vais mettre ceux que j'ai déjà fait de côté. Je vous ai proposé deux tailles. Et vous avez dû tracer, on les voit les rectangles, ils sont derrière? Ok, je vous ai proposé deux tailles, donc selon la taille que vous faites, vous avez soit trois grands rectangles, deux grands plus un tout petit peu plus petit, c'est-à-dire pour l'entoilage si vous en avez besoin d'un, on en parle dans une seconde, soit trois petits rectangles. Voilà, je les ai affichés là parce qu'il y a des mesures qu'on va devoir prendre, des petites séparations qu'on va devoir faire, donc comme ça je les ai en tête et vous les avez devant les yeux. Ouais, la maîtresse d'école. Toi, pas un tableau. La maîtresse d'école, si elle n'a pas un tableau, elle est pas bien. Hein. Il y a un moment, je ne suis pas bien. Donc, alors, matériel. Donc, je vous ai fait toute une liste de matériel possible sur le site, sur le blog. Après, ça dépend de ce que vous avez sous la main, de ce que vous avez envie. On peut combiner des matériaux différents. Donc là, j'ai combiné deux velours et oui, j'en avais pris un morceau. Et celui-ci, il était déjà doublé, comme cela, et il était déjà molletonné, doublé. Donc je n'ai pas utilisé d'entoilage
pour celui-ci. Parce que, vous voyez, si je l'avais mis dans ce sens, ça aurait été très mou. Mais vu que j'ai mis les rayures en verticale, ben, ça tient. Donc, ça fait suffisamment de rigidité pour que le sac ait l'air de quelque chose. Sur celui-ci, j'ai utilisé donc un jacquard d'ameublement, pardon, et j'ai utilisé une vieille doublure de jupe. C'est de la récup, celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, elle n'est pas vraiment réversible, d'autant que j'ai utilisé des boutons pression. Et puis, l'intérieur n'est pas très intéressant. Voilà. Et comme c'est du jacquard, je dois l'avoir ici. Voilà. Je l'ai ici. C'est trop mou. J'ai dû mettre de l'entoilage. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous avez, essayez de voir si vous arrivez à le faire tenir un petit peu tout seul, comme ça. Si ça tient un peu tout seul, tout droit, ben, vous vous dites, je n'ai pas forcément besoin d'entoilage. Si ça s'écramouille comme ça, hein, si ça s'écrame molle, enfin, si ça tombe, quoi. Hop, pardon, il vous faut de l'entoilage. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, donc, en simili, tout ça. Mon simili est fin, mais costaud. Est-ce que je le retrouve? Oui, il est là. Bah, il est fin, mais costaud. Et je n'ai pas mis d'entoilage non plus. Le pliage ici fait que, et puis les coutures sur les côtés fait que sans entoilage, il tient très bien. Voilà. Donc je vais vous laisser choisir. Qu'est-ce que vous avez pris comme tissu? Tiens, dites-moi le temps que je range mon bazar. Dites-nous ce que vous avez choisi comme tissu un petit peu. Pour ceux qui le cousent. Pour répondre, je salue un petit peu les derniers arrivés. Ouais. Miss Eva, bonsoir. Alice, bonsoir. Superbe ce jacquard, nous dit Mathus. Il est beau, hein? Il est beau, c'est vrai. Ouais. Voilà, ben bonsoir tout le monde. Il est pas très beau. Un petit coup à boire ce soir, demande Oun. Mais si. Je joue l'américaine ce soir. Je bois une boisson américaine, américaine, marron, vous voyez. Mais zéro. Bonjour. Oui. Voilà. Des précisions, c'est pour Oun, parce que Oun veut. Et Oun, il veut savoir. Je vous ai proposé, hier, j'ai dit, hein, vin chaud, lait de poule. Champagne. Alors, on a Doudou, Bouglette, Miss Eva qui a du simili, ouais. Velours côtelé pour les amis de la cabane de Sophie qu'on a rencontré au salon. Oui. Fais une bise, si tu peux arrêter de frotter. De toucher mon micro, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas ce que ça fait pour nos viewers, mais moi, c'est dans le cas. Excusez-moi tous, je suis désolée. De la cotonnade. Ouais. Alors, cotonnade, si vous utilisez cotonnade et cotonnade, je vais carrément vous suggérer de mettre de l'entoilage sur les deux parties, éventuellement. Enfin, ça dépend ce que vous avez comme cotonnade. Hein. Si c'est une toile, ça c'est une cotonnade, mais c'est une toile de coton. Barbe de Mars nous dit du wax parce que je n'en ferai pas un sac de soirée. Ah ouais, bah et alors un sac de soirée en wax, ça peut être super classe. Déjà. Taffeta de soie. Ouh. Alors, taffeta de soie, ça dépend. Il y en a des plus ou moins raides, c'est pareil. C'est Ghislaine qui nous dit ça, Mademoiselle Swing. Alors, Mademoiselle Swing qui nous dit, pouvez-vous nous dire où trouver la formation sur les tops fluides? Alors, on en a parlé déjà. Sur le site internet lacabaneacoute.fr. On est parti pour la cousette. Je vous remets l'adresse mail, l'adresse du site, pardon, à l'écran. Ouais. Je voulais prendre des sequins, mais je pense essayer plus tard, nous dit Ghislaine. Oui, alors est-ce que c'est Ghislaine, la super brodeuse de Sachiko que nous avons là ce soir? Ah, ça, je ne sais pas. Ben, elle va me le dire. Elle va nous le dire. Alors, Mathus demande si tu connais un peu les tissus américains. Elle va avoir l'occasion d'aller aux US. Est-ce qu'on a des avis là-dessus? Non, je n'ai pas particulièrement d'avis. Je pense qu'il doit y avoir un plus grand choix de tissus pour quilt, parce que les Américains adorent le quilt. Mais après, le truc, c'est que les noms ne vont pas être les mêmes. Donc, munissez-vous d'un petit dictionnaire franco-anglais des noms de tissus. Mm-hmm. Parce que... Ok. Et voilà. Ben, écoute, je crois, et ben, moi, je vous présente ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Hein? Donc, je te dis, simili, je vois, on a pas mal de simili. On a Légel qui nous dit, moi, j'ai prévu l'entoilage pour les deux côtés. Ouais, ben, ça peut être une bonne idée. Ce soir, moi, je travaille avec un jacquard, mais c'est un jacquard vestimentaire, ce qui signifie qu'il a un peu d'élasticité. Alors, avant de vous en reparler plus, pour l'origine de ce jacquard, il vient je suis en train de faire une pièce plus importante dans ce beau tissu. Et il vient de chez Cousette,
qui est un magasin, enfin qui est un magasin, oui, en ligne surtout, de tissus. Ils ont des très beaux tissus. Voilà, des très beaux tissus, très originaux. Et donc là, on a un jacquard vestimentaire doublé, doublé, réversible, je veux dire. Donc moi, je vais m'utiliser que ce côté-là aujourd'hui. Et ils sont, c'est des très très beaux tissus. Voilà. Tu l'as acheté au salon d'ailleurs ? Je l'ai acheté au salon et c'est une exclusivité salon, donc vous ne le trouverez que si vous trouvez un stand Cousette dans un salon. Ils ne l'ont pas sur leur site. Ce qui m'a un petit peu motivée comme ça. Le jacquard peut être du jersey, nous demande Seva. Le jacquard peut être du jersey ? La question est posée comme ça. Le jacquard peut être du jersey ou le jacquard peut être du jersey ? Je ne sais pas comment lire cette question. Alors, là, c'est du jacquard, c'est un tissage, mais il contient de l'élastane. Donc, il y a des fils qui sont à l'intérieur, qui sont des fils élastiques. Donc, ça donne cette impression de tissu tricoté. Mais il n'est pas tricoté, c'est un jacquard. Si je vous le montre, d'ailleurs, des faits, c'est une horreur. Comme tous les jacquards. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit l'épaisseur, là, et il s'effiloche de peur. Donc c'est une catastrophe et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout nécessaire de surjeter ces pièces avant de les coudre puisque tout va disparaître, il n'y aura pas de marge de couture apparente. Mais moi je l'ai fait pour mon tissu ici parce que sinon on aurait travaillé tous ensemble avec un amas de fils. Donc ça aurait été pas facile de voir tout ce qu'on faisait. Ok, je pouvais confondre, nous dit Eva. Voilà. Donc jacquard jersey, ok. Et donc, l'avantage du jacquard, c'est qu'il y a énormément de fils qui créent le motif. Ce n'est pas un motif imprimé, le motif, il est créé par les fils qui sont soit dessus, soit dessous. D'où souvent de l'épaisseur et énormément de fils qui partent dans tous les sens. Voilà. Donc il plaît beaucoup ce tissu. Il est très beau. Est-ce qu'on peut dire que tu es en train de faire une yassou avec, en fait, aussi ? Parce que vraiment, ça rend bien en yassou. Oui, je suis en train de faire une yassou avec. Elle n'est pas assez avant. Non, c'est moi qui le précise. Je suis en train de faire une yassou en me servant de la yassou d'été, mais elle sera finalement une yassou d'hiver parce que le tissu est très épais. Mais elle sera donc une yassou non doublée. Je la montrerai quand elle sera terminée. Bien joué. Donc, ça. Et puis, j'ai choisi pour la doublure, c'est une toile de coton qui, elle aussi, s'effiloche grandement. Elle est un petit peu à paillettes, on garde le côté Noël. Et donc c'est parce qu'elle s'effiloche aussi énormément que je l'ai également surjetée. Vous n'avez pas besoin de surjeter vos pièces avant de faire cette cousette. Là, c'était un cas particulier. Je vais donc compléter ceci avec un peu d'entoilage. Et je vais entoiler mon magnifique jacquard. Parce que comme je vous le dis, c'est un jacquard qui est donc un jacquard vestimentaire et qui contient de l'élasticité. L'élasticité, c'est pas très bon pour notre projet. Donc je vais entoiler cette partie-là pour contrecarrer son élasticité parce que j'ai ici un entoilage qui n'est pas du tout élastique. On commence par ça, on entoile si vous avez besoin de le faire. Donc on la positionne de façon centrée, hop, de façon à ce que normalement on ait les marges de couture autour. Et puis ben, on va entoiler l'envers de notre tissu. Est-ce qu'il y a des grandes débutantes qui ont besoin que je leur redonne les gestes ? En tout cas, en attendant, on répond à Eva. C'est quoi yassou ? C'est une veste de type kimono. C'est une veste de type kimono. C'est un patron de la cabane. Voilà. Voilà. Donc, c'est une veste de type veste aori plutôt que kimono, parce que le kimono, c'est quand même... Ah, il n'est pas bien chaud encore. C'est une veste de rue japonaise. Voilà, toute simple. Donc, il y a un peu comme d'habitude, sur le site de la cabane, il y a notre patron. Et puis sur YouTube, surtout, il y a tout le tuto. Il y a la vidéo, voilà. Il y a deux vidéos qui accompagnent ce patron, puisqu'on a une version été non doublée et une version hiver doublée et réversible. Voilà. Et c'est un patron qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Après, vous pouvez facilement le rallonger, c'est tout droit. Oui, il y en a qui ont des problèmes de connexion, visiblement. Ah mince. Ben oui, on n'est pas tous égaux. Nous ici, on a la fibre. Donc si ça coupe et tout ça, ben, c'est sans doute dû à vos connexions, puis aux mauvaises conditions météo. C'est une catastrophe, hein. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, hein, les amis. Ici, c'est l'inondation totale partout. À un moment donné, on a cru qu'on ne pourrait plus partir de la maison. On est sur une butte, donc on n'est pas complètement inondé, nous. Mais on partait par une route. Ah, faites demi-tour, il y a de l'eau, on ne peut plus passer. Ok, on essaye une autre route. Ah, faites demi-tour. On a fini par trouver comment partir. Mais ça devient un peu catastrophique dans le coin.
Réception parfaite à Saumur. Et ben, ah, ben voilà. Ah, j'avais pas vu la question de Mathus, c'est H250. Je crois que c'est l'épaisseur au-dessus. C'est-à-dire H200, je crois. Ou H3, je sais pas. Je regarderai, je le mettrai dans les commentaires ou en description. J'ai pas la réponse, je me souviens plus lequel c'est. Mais je crois c'est celui-ci, mais je sais pas. J'ai pas la bordure. Je crois que c'était pas la marque habituelle, c'est donc pas la du Vlizline, et donc je suis pas sûre qu'il est là. Il est un peu plus épais. Enfin, selon toi, on est dans ces. Je pense qu'il vaut. Il fait presque. Là c'est le 250. Là, c'est le H250. Il en vaut deux couches, je dirais. Il en vaut deux couches. Il a l'air costaud. Globalement, hein, on n'est apparemment pas tous à la même sauce au niveau des connexions. Il y a des endroits où ça va et je crois vraiment que c'est dû aux intempéries quand même. Okay. Allez, c'est parti. Vous avez donc... Hop, on va comment? Ah oui. Bonsoir, Sorkidée. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon micro, mon fil... On t'entend bien. Qui coince. Voilà, mais je veux pas vous faire mal aux oreilles. Ok. Non. Alors, on a nos deux morceaux de tissu qui sont prêts et on va s'occuper, si vous avez besoin, de préparer des petits liens. Ça va être notre premier passage à la machine et c'est là où je vous ai menti en vous disant qu'il n'y aurait que 4 passages, que 4 coutures. Mais si vous avez besoin de créer des petites sangles comme ça ici, il va falloir faire un cinquième tour à la machine. Donc, j'utilise moi un petit morceau de sergé de coton et... D'ailleurs, c'est pas la bonne taille que j'ai pris, je vais récupérer la bonne taille. Pim pam. On y arrive. Voilà, je prends plutôt celui-ci. Pas de poche, nous demandez-va. De poche, où? Je pense sur la... Sur ça? Ouais. Écoutez, si vous voulez rajouter une poche à l'intérieur ou à l'extérieur, vous pouvez. Je vais vous expliquer à quoi correspondent les traits qu'on a fait derrière. Ça vous permettra de vous positionner ensuite si vous voulez ajouter des poches. Donc, on commence par les sangles. Voilà, je prends moi du sergé de coton. C'est une bande de coton toute simple. Et il m'en faut 8 cm, 4 cm pour chaque côté. Je vais commencer par le faire un peu plus grand. Voilà. Et on va tout simplement aller à la machine, le plier en deux. Et puis coudre un côté pour faire une sangle un petit peu plus costaud. Mais si vous avez du ruban ou si vous avez déjà un bout de votre tissu ici, vous pouvez tout simplement faire une sangle en le pliant comme un biais, en pliant en quatre. Et puis en le cousant comme moi. Voilà. Ok. Donc tu vas à la machine là? Ouais. Okay. Premier tour à la machine. Mais bon, celui-là il compte pas. On le compte pas. Donc je vais bouger. C'est le 3 et demi. La caméra. Ah. Et qui te suit? Vas-y. Action. Suivez-moi. Faut que je marche plus vite, moi. Non, c'est parfait. Bon. Attends, du coup, hop, je te mets comme ça. Je lance la caméra 4 normalement. Et je te mets en surimpression. Du coup, vous voyez un peu les décors de la cabane avec tout le bazar, toutes les lumières. Et là, hop, je viens de secouer la caméra. Surtout, ouais, je sais pas si je vais... C'est pas droit, c'est pas droit la caméra là, si? C'était plus droit, mais c'est pas bien grave. Alors, attends, j'essaye. C'est notre nouveau setup de caméra. Ouais. Que vous avez pu, pour ceux qui ont acheté la capsule, vous avez pu voir qu'elle se passe partout. Ouais, c'est bien. Fais gaffe, la bouge pas trop parce que... C'est bon, l'image est bonne. Donc, c'est notre nouveau setup de caméra qui me permet d'être, donc, vraiment, de vous permettre à vous d'être à la place de mes yeux. Mais du coup, ça veut dire que moi, je vois plus rien. Encore mieux sur notre machine. Quoi? Il y a qui dit braise, qui dit on voit encore mieux que sur notre machine. Ben oui, c'est ça. Mais oui, moi aussi. Mais du coup, je suis un peu perturbée des fois parce que je regarde l'écran de l'appareil photo qui filme. Et puis des fois, je regarde par-dessus. Alors, ça me fait une impression bizarre. Bref, donc... Désolé pour les problèmes de connexion, ça vient pas de nous. Hein. C'est vraiment... Ah non, nous, là, non, c'est... Moi, je vous dis, j'ai tous les indicateurs qui sont au vert. Tout va parfaitement bien chez moi. Donc, c'est chez vous. Donc, voilà, j'ai plié mon grand ruban en deux. Si vous avez un petit ruban, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Et on va juste faire une piqûre
T'as donné la longueur de pointe ou... Bah, là, je fais une piqûre à 4 mm de long, puisque c'est une surpiqûre, de toute façon, on ne la verra pas. C'est noir sur noir, c'est juste pour... Ah, question sur ton aimant. Ça là, le truc qui est là. Une espèce de gadget. Alors, je vais vous en parler de ce gadget, qui est un gadget. Je ne me suis pas fait avoir, mais je voulais le tester pour éventuellement vous en parler. Donc, c'est un gros aimant. Normalement, j'ai celui-ci, qui est tout petit, que je peux mettre sur la machine domestique. Je trouvais ça intéressant parce que celui-là, il est très gros. Il a quelque chose qui se ramène ici. Il coince le tissu. Je pourrais le tester avec le tissu pour vous montrer. Et on peut le rapprocher ou l'éloigner. Donc, pourquoi pas. Par contre, je vais complètement vous le déconseiller pour les machines domestiques parce que autant je suis certaine que ce petit aimant-là ne va pas abîmer les réglages de votre machine électronique que celui-ci, je suis moins sûre, vous voyez. Ça, c'est un gros aimant, il est très costaud. Une grosse surface, puis assez, voilà. Il est très chargé. Il est, bah, je sais, oui, il est très dur à bouger, voilà. Donc bon, je le teste un petit peu, ce petit objet, je vous dirai si ceux qui ont une piqueuse plate sont intéressés. Mais bon, je suis pas encore, je suis pas satisfaite. Enfin, en même temps, je l'ai depuis 4 ou 5 jours et j'ai pas eu trop le temps de coudre. Donc, Je te remets en surimpression et on voit pas ce que tu hop. Fais. Voilà. Bon ben voilà, j'ai fait ça, c'était pas très... Non, ne te mets pas trop près parce que tu sais que le Lumix... Hop, voilà. Hop, on y retourne. Mmh. Allez, on va faire de la vraie couture maintenant. Alors attends, je te suis. Hop. Tiens, maintenant, il y a des opérations de caméra. Venez, on fait le bas. Il va falloir que j'embauche un caméraman. Stagiaire. Pour ça, il va falloir vendre un petit peu plus de formation. À la tienne, ce soir. Merci à la vôtre aussi, les amis. Qu'est-ce que vous buvez? Dites-moi ce que vous buvez. Ils vont dire qu'ils vont est-ce boire. Est-ce que vous buvez déjà? Est-ce que vous buvez? Allez. Donc, je garde ça de côté. J'en aurai besoin tout à l'heure. On va s'attaquer à notre première couture. C'est un petit peu plus grand, là, mon jersey. Malgré tout, il s'est quand même un peu... Ok, vous avez vos deux tissus. Endroit, contre-endroit. Prenez le plus clair, celui sur lequel vous allez le plus facilement pouvoir écrire sur le dessus. Donc, moi, évidemment, je vais prendre le tissu blanc. On va se tracer des repères. Poup, poup, poup. Là, mon stylo et ma règle. Gingembre citron. Eh ben voilà, ça, c'est de la Tin Cabane. Ah ben ça, c'est tout à fait de la Tin Cabane, déjà. C'est la prédilection. Ouais, c'est ce qu'on a toujours dans le frigo, ça. Il n'y a rien à boire. Oun. Oh ben Oun. Ben Oun va chercher des amuse-gueules. Ok. Du thé de Noël, apéro Orangina. Nickel. Désolé, je dois vous quitter. Merci Brigitte, à bientôt. À bientôt Brigitte. Ok, vous avez donc derrière les deux rectangles. Attends, hop, vas-y, pardon. Vous avez donc derrière les deux rectangles. Est-ce qu'on voit ce qui est écrit dessus ou est-ce que je les baisse un peu? Si je remonte pas un peu la caméra, déjà, on va avoir un peu de mal. Hop là. Ah vas-y. Voilà, ok. Donc, petit sac, grand sac. Et en fait, c'est un principe et vous allez tout de suite comprendre que vous allez pouvoir le décliner à l'envi. Ensuite, quand vous aurez compris le principe de montage. Donc, notre grand sac, il va faire, si je ne dis pas de bêtises, 16 cm de haut. Celui-ci, donc, fait 16 cm de haut et 25 cm de large. Donc, vous avez une largeur ici qui fait 27, 25 plus 2 cm de marge de couture. Et vous avez, ensuite, vous le voyez ici, le 16 cm de hauteur du sac. En fait, on a tout simplement le devant du sac. Donc cette partie ici, le fond du sac, donc 4 cm de fond de sac, ensuite le dos de sac, et enfin le rabat. Mon rabat il fait 14 cm. 16 plus 1, ça fait la marge de couture en haut, et 14 plus 1, ça fait la marge de couture en bas. Si j'ai le temps, je vous ferai une petite fiche que je mettrai sur le blog pour que vous puissiez construire sur d'autres tailles si vous le souhaitez. Donc c'est la même chose pour le petit. 12 cm plus 1 cm, 3 cm pour le fond, 12 cm et puis 10 cm plus 1 cm pour le rabat. On a tout compris? Et bien c'est très là, il va falloir qu'on les fasse ici, tout simplement. On dit au revoir à Romane qui nous dit qu'elle va au cinéma. Au revoir Romane. Bonne toile. Bon cinéma. On va se débrouiller sans toi. Est-ce qu'on va y arriver? Et ceux qui ont la capsule, vous avez vu le travail qu'elle a fait sur le livret, parce que ça c'est le travail de Romane. D'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure, peut-on imprimer le livret? Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a 60 pages. Il y a peu de pages, effectivement. Ah, c'est un seul, c'est laissé emporter. Je ferai un petit livret pour accompagner. Ouais, ben...
Elle a fait un gros livret. Alors, on s'est pas moqué de vous, 49 modules, 60 ouais, pages. Ouais, ça va. Un patron entièrement dessiné par Soso. Grosse affaire. Un an de boulot, quoi. Allez. On va partir tous du même côté, puisque là, il faut, tu es en haut. Je voudrais que tu sois depuis en haut, qu'on voit ouais, bien. Ouais, okay. Ouais, t'inquiète pas. On va donc mettre, on a donc mis nos deux les face à face, endroit contre endroit. On va partir de ce côté et de se dire que ce côté sera l'intérieur ici. Ce sera ça. D'accord ? L'endroit où on va assembler ensemble en premier nos deux éléments. Donc, vous allez les épingler ensemble afin qu'ils ne bougent pas. En les alignant bien. Attends, je t'enlève. Hop, là, vas-y. On commence par simplement les épingler pour qu'ils ne bougent pas parce qu'on va prendre des mesures et on va mettre des crans sur les deux. Et il faut vraiment que l'écran soit en face. Hop. Bienvenue, Kat. Hop là. Il faut imprimer en recto verso, exactement si les machines le permettent. Ah bah si vous avez, bien sûr. Ok. Donc, référez-vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font le petit sac ? Ou est-ce que tout le monde fait le grand ? Alors, grand sac ou petit sac ? Hein ? Attends, je repose. On va voir. Donc il va falloir bien pas se tromper, hein. Suivez bien les mesures ici ou ici, hein. Attention, hein. Sinon ça va pas petit, aller. Petit. On est à trois réponses. Les petits sacs c'est ici, les grands sacs c'est là. Redis-le, remontre, pardon. Bah de toute façon en même temps, ouais. Je pense que ça se voit. Oui, mais je montrerai d'en haut. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a écrit ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je les pose sur la table ? Non, moi je vois ce qu'il y a écrit, donc je pense que les gens voient ce qu'il y a. Voilà, ok. Alors c'est parti. Pour le grand, donc on a notre marge de couture de 1 cm, mais je l'ai comprise dans la première mesure. Donc, on va donc se retracer les mêmes traits qui sont là. Le premier donc va être soit à 13 cm, soit à 17 cm. 13 pour le petit, 17 pour le grand. Donc je me marque. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ouais, très bien. Tout le monde voit sur le tableau. Et là, on te voit prendre tes mesures. Tout le monde a sa règle japonaise. Franchement, si vous n'avez pas de règle japonaise, offrez-vous ça pour Noël, en plus de la capsule. Auto-promo. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Tiens, d'ailleurs, si c'est sponsorisé par la cabane à coudes, hop, je fais un petit renvoi vers le site. Parce que je suis bien malin. Ok, on a notre première ligne. Deuxième ligne, soit à 3 cm pour le petit ou à 4 cm pour le grand. Donc c'est la profondeur du fond. On n'a pas forcément besoin de marquer toutes les... Je les marque en fait en entier pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on est en train de faire. Vous verrez que quand vous avez fait ce premier sac, quand vous aurez compris le principe d'assemblage des petits triangles, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'écran qu'on va faire ici et ici. Mais bon, là, on est bien tous d'accord. Et maintenant, on va prendre la hauteur de notre sac. Donc, 16 cm pour le grand sac. Et... seulement de 12 cm pour le petit. Si tout va bien, il doit vous rester 11 cm pour le petit et 14 pour le grand. 15, pardon. 15 pour le grand. 14 plus 1 cm. Est-ce qu'on est bon sur ça ? Est-ce qu'on est bon sur ça ? Je pense que tout le monde est en train de tracer. On trace. Je sens qu'il va y avoir des règles japonaises comme cadeau à Noël. Ah, mais c'est franchement... franchement, c'est vraiment... Après, c'est bon, comme tous ces genres de règles, ou alors une petite règle à patchwork. Hein. Les petites règles à patchwork, mm-hmm. Elles sont bien aussi. Hein. Mais la différence avec la règle à patchwork, c'est qu'elles sont dures. Donc, c'est bien si vous utilisez un cutter rotatif.
si vous avez donc une table de coupe, parce que ça fait une surface large pour couper. On ne peut pas couper au cutter rotatif avec une règle japonaise. Par contre, la règle japonaise, elle peut permettre de mesurer des choses qui sont courbes, ce que ne permet pas la règle la règle à patchwork. Voilà. Donc l'un ou l'autre, ou les deux, si vous avez de la place. Et un gros budget. Non, c'est pas très cher, une règle japonaise. C'est un bel investissement. Bref, on est bon ? Oui, attends, je devais... On n'a pas tout à fait fini, hein. D'automode, parce que... De temps en temps, il y a des commentaires qui sont pistés par Twitch. Ah oui ? Du coup, j'ai pas vu le nom, mais il y avait juste le mot pourri dans un commentaire et Twitch dit oh là, il y a écrit pourri. C'était juste quelqu'un qui, j'ai pas vu le nom, qui nous disait je suis obligé de partir. Ah bah ça y est, c'est Kat qui nous dit qu'il est obligé de partir parce que le réseau est trop pourri. Oh, pauvre Kat. Donc on confirme la question de Kat, je la redis pour tout le monde, notamment les gens qui viennent d'arriver, qui nous disent bonjour, en replay pendant 14 jours sur Twitch et dès dimanche sur YouTube. Voilà. Et sur Twitch, vous aurez l'intégralité de toutes les bêtises qu'on a dit au début et pas sur Twitch. Voilà. Sur Twitch, je vais pas sur YouTube. Ok, ensuite, je commence à le préparer. Je vous avais demandé de préparer un gabarit rond de 10 cm, c'est-à-dire soit éventuellement une tasse, un verre, une soucoupe, ou ici, moi, une de mes petites bonbonnières, pour ce tracé. On le fait en même temps pendant que les deux morceaux sont bien alignés l'un avec l'autre. Alors moi, j'ai un qui dépasse par rapport à l'autre. Je vais prendre le blanc. Si vous avez aussi le cas, parce que ça peut avoir, comme moi, là, mon jacquard, il s'est écrabouillé un petit peu. Il est très, très élastique, je pense que je vais avoir des soucis. Donc je vais me servir de la toile qui, elle, ne l'est pas du tout comme repère. Et on va adapter. Donc on se marque des petits arrondis que l'on va découper. Voilà. C'est bon pour ça. Et on peut découper donc ici nos arrondis qui seront donc du côté rabat. Hop. Bienvenue Imogène. Comme quoi, cette coupure d'électricité a du bon. Parce qu'elle ne pouvait pas être là hier. Visiblement, Imogène, de ce que j'en comprends, ça doit être plus simple le mercredi. Ouais. Bienvenue sur cette petite cousette tranquillotte. C'est ça. Hop, poubelle. Ok, donc vous avez maintenant des repères ici et un repère au bout. Dernier repère à prendre, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas dit au départ. On va chercher le centre ici de chaque côté de votre fond. Donc 1,5, 1,5 si c'est pour le 3 et 2 et 2 si c'est pour le 4. Hop, je le marque juste au bout parce que de toute façon, voilà. Oui, il accuse Imogène d'avoir coupé les fils. Elle est balèze. Ah, saboteur. Est-ce que tout le monde a fait ses petits crans? Enfin, c'est pas ses petits crans, a fait ses petits marquages. Tout le monde s'est repéré dans les tableaux. Alors, j'attends de voir si on a des réponses, mais je pense que... En général, quand ils n'arrivent pas à suivre, ils nous le disent. Oui, c'est vrai. Donc, on va penser que vous allez y arriver. Ok. Donc, les repères que j'ai faits ici, je vais les cranter. Et l'intérêt d'avoir les deux l'un sur l'autre, c'est qu'on est sûr qu'ils seront en face, puisqu'on les crante en même temps sur les deux tissus. Donc, je crante ici la partie au fond. Je vais avoir trois crans d'un côté. Donc, un, celui du centre que je viens de marquer, et trois. Sarkidée voilà. Demande pas de risque au niveau des arrondis si le tissu s'effiloche. Ah bah là ça va être casse-pied parce que j'ai du jacquard, mais sinon non, ça va être cousu et après ce sera à l'intérieur, vous voyez, ce sera à l'intérieur du rabat, on verra rien du tout, donc il n'y a pas de problème d'effilochage. Et donc on a 1, 2, 3 ici, on a également l'autre partie qui marque le dos, le début du rabat, et on fait pareil de l'autre côté. Donc dans la marge, hein, notre marge de couture comprise est de 1 cm, donc vous faites ça sur 5 mm ou 5 ou 6 mm. Moi je vais le faire de la largeur de mon surjet. Ok. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui.
Je pense qu'on a une ambiance studieuse dans le chat. Donc alors, c'est sérieux, hein? On va aller faire notre première vraie couture, parce que j'ai dit que celle-là, quand même, c'était pas une vraie couture. Première vraie couture, on va faire deux coutures d'un coup. Donc, ça sera deux sur les quatre qu'on a à faire. On aura fait déjà la moitié du travail, pratiquement. Donc, on va aller là où on avait mis nos épingles au départ. On va aller simplement coudre de bout en bout, de là à là, avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, bon, on va repasser par la table pour venir ouvrir tout ça. Et puis, on ira faire la surpiqûre. Donc, si vous n'avez pas besoin de vous déplacer comme moi, ça va être très rapide. Donc, on va faire notre première couture. Caméraman, suivez-moi. Action. Action. Tom, 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 tom. Vas-y. Hop. Ah, j'ai pas fait bouger notre. Bien joué. Allez. Attends, je mets la caméra 4. Vérifie si le focus est fait parce que celle-là est un petit peu capricieuse. Tu vérifies si la caméra est nette. Ah oui, pardon. Elle m'a l'air de l'être. Ouais, c'est bon. Voilà. Là, ça secoue maintenant. C'est bon ? Allez. Donc, on va mettre ça ici, juste pour vous montrer comment ça marche. Ça ne sert à rien. Parce que, voilà. Donc, j'ai déjà mon centimètre qui est marqué. Bon, l'avantage, c'est que ça maintient le tissu. C'était pour ça que je voulais le tester. Mais effectivement, ça ne peut marcher que sur les piqueuses industrielles. C'est parti. Allez, point d'arrêt. On est marge point d'assemblage, donc à 2,5. Hop, allez. Quel beau plan, nous dit Kilibraise. Vous êtes à ma place. Le plan machine alors, parce que le plan de Sophie avec toutes les lampes autour, j'ai eu un mal fou à éclairer ce soir. Bah écoute, te plains pas, hier t'avais pas de lumière, le mal fou à éclairer. On s'est posé la question de faire à la bougie. Et après, on s'est dit, mais les caméras, la bougie, ça marche pas. Resto ce soir ou pas? Non, sans doute pas. Ah. Ben, pour tout vous avouer, on y allait hier soir, du coup. Parce qu'on se pelait. On avait froid à la maison. Hop. Voilà, la première est faite. Alors, personnellement, j'ai pas vraiment besoin de repasser, mais on va faire comme si. On va aller donc me remettre sur l'endroit avec un petit coup de repassage. Donc on est sur un retour. Attention. Bim. Ça, par exemple, tu pourras l'enlever au montage. Me revoilà. Et l'astuce, vous voyez, ça c'est une astuce coulisse. L'astuce, c'est d'arriver à avoir un plan large sans vous montrer ce qui est au-dessus, à savoir la petite caméra du plafond. Voilà, tac. C'est une astuce. Allez, je montre d'en haut. Bon, alors, évidemment, si vous avez opté pour du simili, vous allez éviter de repasser le simili, mais vous pouvez éventuellement mettre un tout petit coup de fer sur le côté tissu. Hop. Et puis, on va donc mettre nos deux tissus. Oh, ils vont bien ensemble, hein, n'empêche. Merci Simo, qui nous dit qu'elle a hâte de. Qui nous félicite pour la bonne humeur. Bon, c'est vrai que ça. Et qui a acheté la formation. Et qui merci, merci. Restez avec nous un petit peu, vous irez après. Vous verrez, de toute façon, ça reste là. C'est disponible, tout le temps. Ok, donc je les remets bien endroit contre endroit. Je tire un peu, je bidouille. Je vérifie que du coup, mes crans tombent en face. Ça va être important. Pour la suite, donc je vérifie, mais normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Et on va aller faire une petite surpiqûre ici à 2 mm du bord pour que tout reste bien en place. Donc on retourne déjà la machine. Machiniste ? Ouais. Pouvez-vous bouger la... Ouais, le temps sur la route. Je dis au revoir à Evelyne qui doit partir parce que sa connexion est trop mauvaise, je crois. Oh. Voilà, des biens suffisants. Voilà, donc je te suis, vas-y, action. Vas-y. Donc, nous allons à la machine. Bim, sur une démarche nonchalante du plus bel effet. Je ne sais pas si tu dois aller plus... Il faut que je me dépêche. Ok, allez, on fait une surpiqûre. Bon, j'ai pas pensé. Est-ce que je nous change la couleur? Parce que si je mets ici du fil... Je vais changer la bobine de fil, ça vous embête pas les amis? Je vous conseille, si vous le souhaitez, de faire de même. Parce que, enfin ma canette, parce que j'ai un tissu vraiment écru, donc j'ai du noir dans ma bobine sup dans mon fil d'aiguille.
ça irait très bien pour ce côté, mais je trouve que vraiment, ça va trop se voir sur ce côté brillant. Donc, je vais mettre un fil clair. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'espère que j'en aurai assez pour tout le projet, parce que je ne vais pas vous bobiner une canette maintenant. Voilà, donc je vais mettre un fil écru. Donc, peut-être que vous pouvez faire de même. Hein. Si vous avez peut-être deux tissus qui sont très contrastés, ce sera plus joli. Voilà. Après, le contraste de fil, ça peut être sympa aussi, sauf que quand on, si on se plante et qu'on ne coupe pas tout à fait droit, ça se voit. Voilà, donc je change. Bon, je vais enlever ce machin là. Hein, parce que... Ouais, c'est bon, démonstration faite. Démonstration faite, hein, vous avez compris que je ne suis pas méga fan. Hop, oups. Allez, petit fil. Vous avez aussi un super gros plan sur mes ongles de Noël. Oui. Il faut savoir que pour tourner la formation, j'ai gardé les mêmes ongles pendant 2 mois. Je les ai fait refaire exactement à l'identique avec les mêmes doigts de la même couleur. J'avais trouvé ça malin de faire tous mes doigts de couleurs différentes. Donc là, on est passé sur une ambiance Noël avec un petit peu des paillettes. Et le haut, voilà, tu pourrais plus le voir en peinture. Ah, le haut rouge, là, je peux plus le saquer. 49. Quand je l'ai fait, je dis, oh, il est chouette. Il a été lavé, là, entre temps. Ouais, mais en plus, entre le moment où je l'avais fait et le moment... Bon, de toute façon, on va couper quand tous les trucs, là. Non ? On va accélérer ? Je raconte ma vie ou pas ? Parce qu'entre le moment où j'ai fait, et là, j'ai changé un petit peu de taille de vêtements, donc du coup, il commençait à être un petit peu... abailler un peu. Bref, donc on passe en 0.4 mm pour que ce soit plus joli. Et donc je me mets du côté où je vais coudre en noir et dessous ça coudra en écru. En général, je vous mets une petite caméra de l'autre côté aussi, comme ça vous voyez ce qui sort. Je sais pas, vous. Non, t'achèteras pas une cinquième caméra. De toute façon, je peux pas dans ma console vidéo. C'est... Il faudrait en plus qu'on t'achète une autre console vidéo. Non, mais c'est... Parce que ce soir, j'ai une caméra sur moi. Les investissements de l'année prochaine, ce sera des investissements de couture, monsieur. J'ai un rêve secret. Tiens, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs. J'ai un rêve secret. Pas secret. J'ai envie d'une brodeuse. Est-ce que vous en avez une ? Est-ce que vous en avez à me conseiller ? C'est moi qui vous demande un conseil un peu. Voilà, en attendant, je retourne élégamment jusqu'à la table de coupe. Attention au micro, Soto. Oui ! Alors, je rêve d'une brodeuse également. Non, mais ça doit être super. Ouais. J'ai une brodeuse Janome, nous dit Bribri Baba. Et alors ? Contente ? Elle est nulle, c'est genre. Bon, Janome, ça, il y a moyen que ce Janome, soit. Janome, c'est une très bonne marque. Il y a moyen que ce soit bien. Ouais. Bah, je resterai bien chez Bernett parce que je pense qu'elle sera mate. Je crois que c'est Paul de Peste et Choléra qui en a une. Il n'est pas là, Paul. Ben, il n'est pas là, Paul, ce soir. Il aurait pu nous dire, je lui demanderai. Ok, vous en êtes là ? Bien, alors, c'est maintenant que l'on va faire un pliage magique. Si vous avez des pinces, ça va être l'occasion de vous en servir pour vous aider. On va plier un côté et puis ensuite l'autre. Je vais commencer, moi, sur le côté clair pour que vous compreniez bien ce que l'on fait, sachant que, de toute façon, vous allez le voir deux fois puisque je vais le faire ensuite sur le côté, sur ce côté-là. Bref, donc, vous vous souvenez des plis que l'on a fait précédemment. Ils sont importants et surtout les crans que l'on a fait. On va venir au cran le plus éloigné, le plus près de la piqûre qu'on vient de faire, en fait. Et on va remonter ici. Si vous pouvez repasser la matière, c'est le moment de le faire. Alors, je vais éviter d'aller sur mon trait ici, parce que bon, normalement le fait d'avoir fait des crans, ça le positionne pratiquement tout seul. C'est ça aussi qui est bien avec l'écran, hein. C'est qu'en fait vous avez le cran là qui est hop, qui s'est mis à la pliure ici et ici. Donc on a plié sur celle-ci vers l'endroit, donc endroit contre endroit. On va maintenant revenir de façon à mettre cette ligne ici sur celle-ci. Hop. Oui, c'est ça. Je dis, voilà.
Hop. Donc en fait, on va plier selon le deuxième cran, qui est le cran qu'on ne voit pas ici, mais qui aurait été ici, c'est-à-dire le cran... Hop. J'ai plus mes petits feutres depuis la formation. Le cran ici que l'on a marqué au centre. Attends, te vois pas, excuse-moi, j'étais en train de lire les commentaires, parce qu'il y a des réponses sur les brodeuses. Attends, je vais pas t'en plus. Vas-y, dis-nous, relis-nous ce que tu disais. Donc oui, deuxième cran. Attends, là, c'est le pliage, c'est super important. Ah, alors je remets quoi? Caméra d'en haut? Oui. Je pensais que tu étais au tableau, pardon. Bah ça fait rien, c'était... Bah oui, j'ai montré là-bas, mais... Si, si, il m'a bien semblé. Mais je suis en train de lire les réponses sur les brodeuses. Donc... Ok, donc on a plié le premier cran ici. Maintenant, on va suivre le deuxième cran, en fait. Le cran central qu'il y avait entre les deux, le 30 du milieu du fond. Ce qui nous permet de rabattre notre deuxième ligne sur la première, en fait. Hop. Je vais le finir et puis vous allez voir ce qu'on veut obtenir. Voilà. Hop. Donc, là, je peux bien le marquer. Donc, hop. Et maintenant, on revient vers le haut. Donc, je vais vous le montrer. On a fait une sorte de pliage en accordéon. D'accord. Vers l'endroit de notre tissu. Donc, vous voyez ce que ça donne? Première ligne. Deuxième ligne, troisième ligne. Hop, accordéon. Une fois que vous avez compris ce pliage, vous avez réussi votre sac de soirée. En gros. On le fait de l'autre côté. Donc je n'avais pas mis de trait pour me guider, mais les crans vont faire le même effet. Alors, si vous avez des tissus casse-pieds, qui par exemple ne prennent pas bien le fer, ce qui n'est pas le cas ici, vous pouvez déjà pincer cette partie-là avec... une petite pince donc, et puis faire votre deuxième pliage, et comme ça après vous pincerez le tout ensemble. Ça vous permet de vérifier que tout va être bien en place. Allez, c'est parti. Donc, premier cran, il est où? Il est là. Hop. Mais c'est moins facile de le montrer sur le gros, ça fait quelque chose de plus épais bien sûr, mais je peux quand même le repasser. Deuxième cran. Hop. On repasse. Et enfin, on referme le troisième cran. Et si tout va bien, vous avez vos crans qui indiquent le début du rabat, qui doivent s'aligner avec la couture qu'on a faite tout à l'heure. Alors, selon les épaisseurs, ça va le faire plus ou moins parfaitement. Mais voilà. Donc, comment vous montrer ce que l'on doit obtenir? Je vais essayer un bon coup. Alors, je vais essayer de le montrer comme ça en coupe. Mm-hmm. Tu peux ? Ouais, c'est pas voilà. Mal. Donc là, voilà, j'ai un tissu donc, qui est replié sur lui-même, avec donc une pointe vers le tissu extérieur. Là, on ne voit pas bien sur celui-ci, mais on le voit bien sur celui-là. Voilà. Hop. Et donc, ces deux pointes sont au même endroit. Et on a emprisonné ici la partie devant du sac. Et puis là, le rabat. Hop. Alors, je vais bien épingler au niveau ici. De ma quadruple épaisseur. Alors ça peut faire beaucoup hein, d'épaisseur, je le précisais justement, éviter de faire par exemple un gros simili épais plus du gros jean, parce que déjà là j'ai mon jacquard qui est assez épais et j'ai une toile de coton, ça me fait une belle épaisseur. Hein. On va sûrement avoir besoin d'une petite belle-mère pour passer à la machine pour que ça le prenne facilement et que ça patine pas. Donc hop, et pareil, de l'autre côté je l'épingle bien, alors je le pince bien. Voilà. Mathieu se demande s'il faudra une aiguille de Mac spéciale pour les tissus à sequins. Pas forcément, non. Non, non. Non. Il faut pas forcément une aiguille spéciale. Le tissu, c'est du plastique. Donc, il faut une aiguille solide. Il y a des aiguilles qui sont renforcées. Qui sont pour les tissus très difficiles éventuellement,
une aiguille à tige renforcée, mais la plupart des sequins se percent assez facilement. Faut aller doucement, hein, de toute façon, avec les sequins. Je suis pas une experte, je n'en ai pas énormément cousu dans ma vie, donc... Mais j'y réfléchissais justement là, à faire quelque chose l'année prochaine, enfin dans les prochains tutos là, de 2024, sur les tissus un peu difficiles comme ça, sur le velours, les sequins, la fourrure, la moumoute. Je pense que je vais faire je ferai une vidéo sur ça. Mais il y a certains matériaux que je connais bien, comme le velours, ou même la moumoute, ou la polaire. Mais les sequins, j'en ai pas cousu beaucoup. Donc il faut que je m'entraîne et que je me renseigne aussi avant de vous en parler pour pas vous dire n'importe quoi. Il y a Doudou qui dit au secours, j'ai pas mon troisième pli. Il y a pas. Comment ça, troisième pli? Normalement. En fait, regarde, je vais prendre ici, hop, avec le papier, d'accord. En fait, ce que vous avez fait, c'est, imaginons que là où il y a les chiffres qui sont écrits, c'est l'endroit hein, de notre tissu. Je le refais là parce que je sais que c'est le seul truc qui peut porter à confusion, alors que quand vous allez avoir compris, c'est ultra facile. En fait, on plie premier trait vers notre piqûre précédente, et deuxième trait, on revient sur la première piqûre. Et comme ici vous aviez fait un petit cran, je vais le couper d'ailleurs. Hop, vous aviez un cran central. Donc le cran central vient vers le devant et l'autre va revenir à la première place. Ah ! Hop ! C'est un accordéon, hein. Un tout petit accordéon de 3 cm ou de 4 cm. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un accordéon. C'est peut-être plus clair avec le schéma. J'espère que Doudou s'y retrouve. Les autres, c'est bon, s'y retrouve? Je crois. Oui, parce que si on s'y retrouve, on est bon là-dessus, on est bon surtout, on a terminé. Non, pratiquement. Alors. Maintenant, en fonction de ce que vous allez choisir pour fermer votre sac, soit vous ne voulez pas le faire, vous ne voulez rien lui mettre et donc il y aura besoin de rien, soit vous voulez lui faire des petites anses. Alors, comme je reste dans une sac de soirée, je vais faire des anses vraiment fines. Donc, on a tout à l'heure cousu ensemble, ou vous aviez peut-être déjà quelque chose, un ruban ou quelque chose, pour nous faire des petites anses. Ici, est-ce qu'on peut le voir ? Je crois qu'on le voit. Ici, j'avais simplement, et c'est ce que je vais faire sur celui-ci aussi, simplement mis la petite anse en tissu, enfin en sergé. Ici, j'ai fait ça tout simplement parce que je n'avais pas de petits anneaux dorés. Hein. Ici, j'avais un petit anneau argent, donc j'ai mis ma petite anse comme ça en sergé et... Un petit anneau. Donc je l'ai glissé le petit anneau et puis je suis venue le coudre et on va le positionner. Voilà. Donc il y a ça à installer. Donc 2 x 4 cm. Ça va faire 1 cm qui dépassera. Vous pouvez, si vous en avez besoin, et on va le faire, c'est ce que je vais faire là. Moi, je le fais normalement, je le fais pas, mais là, je vais le faire avec vous. On va venir le positionner non pas côté du sac, mais côté rabat, comme ça. Si on a le sac réversible, on les verra de chaque côté. Donc, on vient juste après le rabat, les positionner de façon à ce que ça touche, hop, ici. Vous voyez ? Donc, on peut les épingler, leur mettre une pince pour pas les perdre, ou alors on peut aller leur faire une petite pré-piqûre. On va faire ça aujourd'hui ensemble. Je ne le fais pas habituellement, mais les débutants, je vous conseille de le faire. Hop, pareil en face, donc vers l'intérieur du sac. Hop. Et deuxième chose que l'on va préparer, si vous souhaitez faire ce système de fermeture, donc avec un petit élastique ici, qui vous permettra de le mettre sur un bouton. Ça, c'est le système que je conseille si vous voulez un sac réversible. Il va falloir aussi que l'on prépare l'insertion de cet élastique. Alors, comme élastique, sachez que je ne suis pas allée chercher bien loin, je suis allée chercher dans mes petits élastiques à cheveux.
Voilà, j'ai pris un petit élastique à cheveux. On va simplement venir le positionner au centre comme ceci et lui également venir le pré-coudre pour qu'il soit bien pris dans notre couture. En fonction du bouton que vous aurez voulu mettre, hein, vous prendrez plus ou moins grand. Je n'ai pas des très gros boutons, j'ai des boutons qui doivent faire 2,5 cm ou 3 grand max. On va le choisir ensemble. Donc je pense que ça devrait aller avec cette taille d'élastique. Donc on cherche le centre. Sur l'un des deux côtés, hein, ça n'a pas d'importance lequel. Hop. Et on va aller aussi pré-coudre notre élastique. Hop. Je l'épingle, mais de toute façon, il faudrait que je le maintienne en place certainement avec mon poinçon au moment de passer à la machine. Alors, ça, je ne l'ai pas compté dans les trois coutures. Si vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite, ben, ça ne comptera pas. Sinon, c'est une demi. Allez, monsieur le caméra. Bouton pression, oui. Est-ce que ça peut fonctionner? Alors, bouton pression, c'est ce que j'ai mis ici. Et alors, celle-là, du coup, si vous voulez mettre des boutons pression, vous n'avez rien à faire pour l'instant. Là, j'ai mis des pressions métalliques, mais ça ne marchera pas pour un sac réversible. Et puis, on le fera ensemble sur celui-ci. Je ne l'ai pas encore installé, mais sur celui-ci, c'est tout ce qui reste à faire pour pouvoir le terminer. Donc, là, c'est juste pour ceux qui veulent un sac réversible. Enfin, non, remarque pour tout le monde, les petites... Hop. Alors, je fais juste ça pour l'instant. Je commence par ça, mais après, on va pouvoir tout de suite se lancer dans la couture en restant ici. Je peux? Tu peux. C'est mignon. Pendant que je suis en train de me préparer à coudre... Ah, je viens de secouer la caméra, excusez-moi. Je ne vais pas vous donner le tournis ou le mal de mer. Le barbu m'a resservi un petit peu de boisson américaine. Donc, vous voyez, je suis dans la marge de couture. Je viens juste donner... un petit aller-retour au niveau de ma petite sangle. Comme ça, je n'ai plus besoin de m'en préoccuper tout à l'heure. Hop, ici aussi. Alors, ici, j'ai un problème que peut-être certains d'entre vous vont avoir. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'était un tissu qui a un peu d'élasticité. Vous voyez, il se décale. Je vais garder uniquement mon tissu blanc comme référence parce que je sais que lui, il n'a pas pris d'élasticité, il n'y a pas eu de souci de décalage ni rien. Donc je vais coudre en le suivant lui. Donc je m'aligne avec lui pour ici venir placer ma petite sangle. Hop. Voilà, j'ai fait 2-3 points juste sur elle. Voilà. Ah, j'ai plus de fil. Je suis souci technique en direct. Hop. On renfile. Alors là, renfiler l'aiguille avec l'appareil photo devant, vous me faites faire des trucs, les amis, je vous dis pas. Ah, ça a marché tout seul. Du bol. Tu vois, on a la baraka. Il faut avoir la foi. La foi. Dans le saint patron. Merci de la couture. Isabelle, c'est vrai qu'on s'est posé la question de réussir ce plan. Sophie voulait absolument ce plan pour la formation. Oui, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? C'est bien un plan comme ouais, ça? Isabelle trouve qu'on voit bien. Ouais. Oui, le complément pour les grandes tailles. Merci d'avoir acheté la capsule, la Fibaume. J'ai hâte d'avoir le complément pour les grandes tailles. De toute façon, tu es déjà un peu en train d'y travailler. Mais Oh là là. Qu'est-ce que tu nous fais? Bah, tu sais, je pense qu'étant gauchère, hein, il vaudrait mieux que la. Et ouais, va trouver un autre système. Ouais. Maintenant, il faut savoir que pour l'instant, le système que l'on a est fait à partir d'un vieux pied de micro qui a accompagné le barbu dans ses concerts de jeunesse. Ok, on a fait ça. Il nous reste donc, si vous voulez, vous aussi, mettre un petit élastique. Donc, on a notre cran central, on vient le positionner et on vient le coudre en place, c'est-à-dire, c'est pas toujours facile, jamais les doigts, plutôt un poinçon, hein, bien sûr, pour tenir quelque chose en place devant les pieds. De rien, Babel, et merci de me rappeler mon prénom un peu, parce qu'on m'appelle toujours à force le barbu, et c'est vrai que je m'appelle un peu Fred. Ah, c'est casse-pied. Alors. Hop, je resserre l'élastique. C'est pas facile ces élastiques, c'est casse-pied. Hop, voilà. Alors j'avance encore un peu. Pourquoi tu as préféré la piqueuse plate ce soir? C'était plus simple pour toi?
C'était plus simple pour moi. Je trouve que vous voyez bien aussi avec la picosse plate. Alors, parce que je, honnêtement, je préfère la picosse plate. Hein. Si vous cousez beaucoup et que vous avez eu l'occasion d'en utiliser une, vous comprendrez pourquoi. C'est aussi facile à prendre en main qu'une machine domestique. Ça fait moins de points, évidemment. C'est plus cher que beaucoup de machines domestiques, même si celle-là, elle n'est pas plus chère que ma machine domestique. Ça doit être dans des premiers prix des piqueuses plates. Et je trouve qu'on voit super bien ce qu'on fait au niveau des pieds, comme ça. Je trouve qu'ils sont bien mieux que les pieds de nos machines domestiques. Voilà, j'ai installé mon élastique, juste pour ne pas le perdre. Est-ce qu'on voit bien la totalité? Non, on ne voit pas la totalité, donc je vais retourner à la table. Je peux montrer. Attends, fais voir. Non, je vais retourner à la table pour plus de précision. Juste pour dire, je fais un aller-retour rapido. Okay. Donc, à la limite, tu n'as même pas besoin de me montrer. C'est juste pour montrer la hausse qu'on va coudre. Allez, viens. Alors, venez. On va retourner à la table. Hop. Bien dé, ma bande. Hop. Hop. Allez. Ah. Souci. Voilà. Ok. Attends, voilà, c'est bon. Je te remets en incrustation. Bim. Là, j'ai un peu dézoomé méchamment. On reviendra sur la brodeuse parce qu'on a eu pas mal de réponses. Oui, mais on en parle. J'attends. J'ai pas posé la question dans le vide. Je suis très intéressée, effectivement, par vos réponses. Mais je préfère qu'on fasse ça et qu'on discute un petit peu ensuite. Comme ça, tout le monde peut avoir tous les éléments. Et après, tu pourras aussi couper la partie qui ira sur YouTube. Et puis, on aura notre. Voilà. Donc, vous avez tous vos éléments. Votre pliage qui est ici, qui est bien maintenu en place. Et on va venir coudre, donc, depuis un de vos soufflets, ici. On va suivre le chemin à 1 cm du bord. On va faire notre joli arrondi. Et on va s'arrêter, après l'arrondi, on va dire, par ici. Il faut se laisser une bonne 10-15 cm. Surtout si vous avez du simili, parce que c'est assez raide à sortir. C'est un peu plus difficile de faire retourner le simili sans faire craquer. Donc, hop. Alors évidemment, sur le petit, vous n'allez pas pouvoir vous laisser 15 cm, vu qu'il en fait, il en fait 12 de large. Mais vous voyez ce que je veux dire, vous allez en laisser juste après l'arrondi, quoi. De quoi retourner. Voilà, donc on vient ici, on s'arrête là, on fait un point d'arrêt, on fait un saut de puce, de bonne puce sportive, et hop, on repart là, point d'arrêt, et on vient jusqu'au bout. Voilà, on en sera donc à notre troisième couture. Troisième vraie couture. Et bien, vous voyez, on y retourne tout de suite. Allez, allez, allez! On est bon ? Ouais. Alors. On est bon pour toi. On t'attend. Je pense qu'avec ma piqueuse plate, ça passerait. Vous voyez, ça passe sous le pied quand je le soulève comme ça. Ça passe juste, mais ça passe. Maintenant, avec la machine domestique, c'est moins évident. Des fois, c'est moins haut. Et puis, on voit moins bien ce qu'on fait. Donc, je vais vous suggérer de prendre une belle-mère. L'idéal pour faire votre belle-mère pour cet assemblage-là, c'est de prendre la même épaisseur que vous avez ici. Alors, moi, je ne vais pas prendre cette épaisseur en compte parce qu'elle est vraiment pas conséquente, je vais prendre l'épaisseur du jacquard. Si vous avez deux tissus un peu épais, vous pourrez utiliser les deux tissus. J'ai quatre épaisseurs de jacquard à cet endroit-là, donc je prends ma chute de jacquard et je le plie en quatre. Donc là, j'ai la même épaisseur à peu près, voyez, que là. Juste un peu moins, mais ça sera suffisant pour nous faire une belle mère. Donc, je le plie en quatre, je me positionne dessus n'importe où et je vais avancer jusqu'à arriver juste en bordure, voyez. Et là, je vais lever le pied. J'ai toujours mon aiguille qui est enfoncée. Je lève mon pied presseur. Alors moi, je le fais directement avec mon pied, mais vous allez le faire manuellement. On lève le pied presseur. On le fait retomber. Et vous voyez, il est à la même hauteur. Et donc là, vous allez aider un petit peu en poussant parce que j'ai dû enlever ceci. Et donc, on ne veut pas que ça se décale. Donc, vous le maintenez bien en place. Faites attention à vos petits doigts. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, on avance un peu et là, on peut reculer sans retomber. Voilà,
juste au bord, et on est parti. Voilà. On a passé le plus dur. Et en fait, on a passé le plus dur puisque l'autre, c'est l'arrivée, donc ça ne fera pas le même problème. Allez, hop. Avec un pied double entraînement, est-ce que ça y est? Ah bah bien sûr, un pied double entraînement, mais le pied double entraînement facilite l'avancée et soulage votre moteur, mais il ne compense pas une épaisseur. Donc vous pouvez quand même avoir besoin d'une belle-mère pour lancer le... pour lancer la couture. Hop, allez, on tourne. Et si vous êtes dans votre arrondi, que vous trouvez que c'est difficile de faire un arrondi, vous baissez encore le point. Au lieu d'être à 2,5, vous êtes... Pardon, hop, je le serre un peu plus. Vous passez à 2, voire à 1,5, ça va faire un tout petit point, mais c'est beaucoup plus facile à maîtriser pour faire un bel arrondi. Magnifique, le virage. On essaye. Hop, voilà. Allez, tout droit. Premier live en nocturne, je sais pas. Non, on les fait souvent à cette heure-là, mais ouais, effectivement, il y en a qui préféraient le soir. Avec la nuit déjà tombée comme ça, peut-être. Le mois dernier, on en a fait un le mois dernier ou pas? Non, on n'a pas fait de live le mois dernier. Tu veux dire quand on aurait fait un live? Au mois de novembre. Bah alors non, on a commencé les lives en avril, je crois. Non, mais je veux dire novembre, là, le mois. Ah ben non, on n'a pas... Non, non, bah non, on était en train de tourner une formation, tu te souviens? Ouais, c'est ça, le truc là qu'on a fait. Je me souviens, j'étais là, t'étais là. Trois semaines de tournage, hein? Ouais. Bah... Oui, il faut faire manger les enfants. Ah oui, c'est ça. Nous, on en a plus. Enfin, on en a, mais ils se débrouillent tout seuls. Oui, c'est ça. Ils vont au cinéma. Voilà. Ils habitent plus là. Voilà, donc là, vous ne devriez pas avoir de problème sur cette épaisseur-là, parce que vous êtes déjà sur le tissu. Votre morceau est rentré dedans. Je ne vous ai pas fait épingler comme j'aurais peut-être dû. Alors, il y a Emiole même... que je n'ai pas saluée. Je n'avais pas vu qu'elle était là. Elle est souvent là, Emiole. Si on part de chaque côté de l'ouverture, les épaisseurs seront à la fin. Effectivement, c'est bien malin. Suivez ce conseil. Qui est la personne très intelligente? Emiole. Emiole. Qui est souvent avec nous. Eh bien oui, bah, suivez ce conseil. C'est malin. Voilà. Allez, on retourne à la table pour dégarnir tout ça et retourner sur l'endroit. C'est vrai, vous n'avez pas l'habitude de voir la cabane de nuit, mais bon. Je peux vous dire que là, il fait bien humide. Alors attends, du coup, t'es revenu. Mais je suis revenu, pardon. Recommençons. Là, vous avez un gros plan sur le bazar. Il y a un problème. Sur le bazar. Là, derrière moi? Ouais. Oh. D'ailleurs, vous voyez la haute technologie, vous voyez des lampes de bureau. Une lampe de bureau accrochée à un pied de... Ouais, c'est de la bricole. C'est de la bricole. Non, c'est pas n'importe quoi. Ah, j'arrive. Oh, qu'est-ce que t'arrives super bien. J'arrive super bien. Ok, c'est parti. Dégarissage. Caméra d'en haut. Bim. Action. Alors, on n'a pas besoin de tout dégarnir. Sauf si vous avez quelque chose d'un peu molletonné, vous pouvez avoir envie d'enlever un petit peu ici. Moi, j'ai quand même trop de tissu là sur mon jacquard parce que il s'est écrabouillé sur les côtés. Bon. De toute façon, je savais, c'est un tissu élastique, il y avait des chances que ça fasse ça malgré tout. Je viens enlever ici, là on a beaucoup d'épaisseur, je viens dégarnir l'angle. Attention évidemment à ne pas couper votre fil. Je ne jette pas par terre, hein, j'ai une poubelle à côté. Hop. Que Sherlock nous vide allègrement. Oh, Sherlock et Oumi, hein, parce et que... Oui. Pas la dernière, elle. La petite voleuse. Oumi est une voleuse. Elle est adorable, c'est une vilaine petite voleuse. C'est une petite chipeuse. Ce que n'est pas Sherlock. Voilà. Si, Cadange, c'est vrai que je... On n'est plus détendu maintenant pour les lives. Ah oui. Déjà, vous êtes super sympa. Du coup, on prend le temps de tourner les caméras. Des trucs qu'on n'osait pas faire avant. Pourquoi? Ou pas, parce qu'on apprend. On apprend, puis on a la sale manie de vouloir être à la hauteur. Bon. Ouais, nous, on a toujours, peur. Mais voilà. Bref, non, enfin, plus maintenant. Maintenant, je suis... Ouais, ces ciseaux, ouais. Tiens. Je trouve génial ces ciseaux, nous, dit Nanouk. Alors, oui, ils sont super bien. Moi, je finis toujours à reprendre ceux-là.
qui sont des ciseaux que j'ai, qui coûtent vraiment 3 francs 6 sous, mais qui sont casse-pieds parce qu'ils s'ouvrent de peur. Et j'en ai 2 paires de 2 tailles différentes et les 2 font comme ça, donc ça c'est casse-pied. Mais ceux-là, je les avais achetés parce que j'ai des problèmes d'arthrose, ils soulagent grâce au ressort, mais finalement, je trouve qu'ils ne coupent pas toujours aussi bien que je souhaiterais. Donc des fois, là pour faire la veste Yasu avec ce tissu, quand il y avait 2 épaisseurs, c'était pas génial. Donc j'étais obligée de reprendre mes vieux ciseaux roses. Peut-être qu'ils se sont un peu émoussés parce que vraiment, ces ciseaux au départ... J'en étais très contente. Oui, mais j'ai ça. Attention, j'espère que le bruit n'est pas désagréable. Ça, c'est un aiguiseur à ciseaux. Mais bon. On crante ici. Alors, soit on crante... Vous pouvez prendre vos ciseaux cranteurs pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, mais moi j'en ai pas besoin. Alors, une technique de crantage, il y a celle-ci, et après il y en a une autre que je vais vous montrer, qui est la fameuse technique de Un. Un de nos fidèles abonnés qui est là ce soir. Un, le technicien. Le technicien. Il est toujours là. Il est encore là. Il est là parce que. Voilà, donc lui, ce qu'il fait, ce qui est très malin, il plie le tissu. Il fait des plis comme ça, hop, il plie. J'y arrive pas, évidemment. Il plie et il fait comme ceci, ce qui fait que... Vous voyez qu'il veut pas, voilà. Hop, ça fait le triangle tout seul. Voilà, donc ça c'est la méthode de Un, mais lui, ses ciseaux ne sont pas d'accord. La méthode est bonne, c'est les ciseaux hein, qui ne vont pas. Voilà, hop, juste l'angle. Il est malin, ce Un. Hop. Et voilà. On retourne. Vous avez déjà retourné le vôtre? Non, pas encore. On retourne. Allez. On retourne. Et là, c'est là où j'ai une petite jalousie. Je vois pas comment on pourrait faire parce que vous allez voir le résultat du mien, mais moi, j'ai pas le résultat du vôtre tout de suite. Alors, vous êtes très gentils parce qu'il y en a plein qui, quand ils le cousent avec nous, ils le mettent après directement, soit en commentaire sur Instagram direct. Ouais, soit sur Instagram en taguant évidemment. Le sacré rayon, je sais pas comment on peut l'appeler. Alors, on commence par quel... Allez, on commence par le côté comme ça. On a une adresse mail aussi, vos créations, @lacabaneacoute.fr, si vous voulez nous envoyer vos créations. Oui, sinon, si vous n'avez pas de réseau. On peut le mettre aussi en commentaire sous le post correspondance pour ceux qui sont sur Facebook. Mm-hmm. Voilà, donc vous avez vu, hop, magique, vous avez un petit triangle ici, en bas, donc faites bien ressortir les coins. Hop, 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 hop. Mets-toi bien au milieu, le goutte. Voilà. Mmh. Voilà. Et ce qui est magique aussi, voilà, donc ça. Hop. Et quand vous êtes à l'intérieur du sac, ici, donc je vais tout de suite le retourner pour le vérifier, mais évidemment, ici aussi, vous avez le même pliage. Donc votre sac, il est parfaitement doublé. Hop. Alors quand il y a 2 tissus qui sont vraiment différents en consistance, il y en a un qui peut gagner un petit peu sur l'autre. Vous voyez celui-là, il va falloir que je tire un peu pour qu'il puisse prendre sa place parce que le jacquard a l'air de vouloir gagner la bataille. Mais on obtient quand même bien notre joli triangle. Hop. Et hop, voilà, hop. Triangle à l'intérieur ou d'un côté et triangle de l'autre. Allez, place à la finition. Il nous reste une dernière couture, si vous avez bien compté. Et évidemment, vous savez laquelle c'est. Ça va être de fermer le rabat tout en faisant une jolie surpiqûre pour bien maintenir chaque côté à sa place. Parce que là, on a 2 tissus qui font un petit combat. On voudrait que l'un ne se voit pas trop par rapport à l'autre. Alors, c'est toujours difficile d'avoir les 2 côtés parfaitement alignés ou qu'on soit d'un côté, on ne verra pas ce qu'il y a de l'autre. C'est à vous de choisir lequel vous voulez laisser gagner un petit peu. Moi, par exemple, sur celui-ci, bon, là, on voit quand même un petit peu le rouge au niveau de mon élastique. Mais sinon, j'ai essayé d'avoir plutôt le vert et du côté rouge, on voit un peu plus de vert. Parce que ça faisait comme un petit bourrelet, c'était pas gênant, mais je voulais que celui-ci soit plus neutre. Donc, on le voit le moins possible. Là, j'ai vraiment fait en sorte qu'on ne voit pas du tout la doublure en repoussant vraiment... Hop, je vais l'ouvrir... En repoussant vraiment la partie doublure vers l'intérieur, en faisant déborder la partie jacquard vers l'intérieur. Donc à vous de voir comment vous voulez faire la bataille entre les deux. Là, je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas
le jacquard du côté du blanc. Comme ça, je pourrais avoir vraiment un sac tout blanc plutôt que d'avoir un sac où on aperçoit du jacquard. Je vais essayer de pousser le jacquard, voilà. Et on aura ce petit bourrelet blanc ici qui sera plutôt joli en fait. Faisons ça. Donc, un petit coup de fer si besoin. Repoussez bien vos arrondis. Hop. Ici donc, on va faire rentrer le surplus de couture. Vous avez, si vous avez choisi l'option élastique, votre élastique qui est ici. Ah oui, Chris, hop. Bienvenue, Chris qui nous dit je viens d'arriver. Ah, bienvenue. C'est ce qui s'appelle arriver à la fin. À la fin de la bataille. Hop. Donc le replay sur Twitch pendant 14 jours et dimanche sur YouTube. Voilà, hop. Parce que j'ai pensé voilà. À appuyer sur REC. Il a pensé à appuyer sur REC. Ok, donc je vous laisse donc essayer de bien positionner ici vos deux éléments, épingler. Donc on a dit que je ne veux pas qu'on voit le jacquard sur le côté blanc. Je vais pincer tout simplement et on va pouvoir aller donc faire cette dernière surpiqûre. Après, il ne restera plus qu'à coudre les boutons à la main si vous avez opté pour la version réversible comme moi ou bien poser des pressions. Allez, dernière couture. Mettons-nous en situation. En situation. Qu'est-ce qu'on entend, la pluie là? Ah! Ouh là là! Entendez-vous la pluie? Attends. Sur la cabane. Ah, là, je crois qu'on a encore un déluge. Oh là 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 là. Donc, si ça coupe d'un coup, hein, c'est l'électricité, les amis. Oh purée, non, alors vite, 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 je vais donner un coup de je m'en trompe. Enfin, là, maintenant, vous saurez finir sans nous. Ok, donc là, je, voilà, je tire un petit peu pour que j'aperçoive mon tissu blanc. Eh, la fly Nat. Salut, Nat. Ah, Nat. Alors, c'était bien le concert. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Bah, elle doit être bien. Elle n'était pas avec nous hier soir, mais nous, on n'était pas avec nous non plus. Mimi, hop. Il nous dit ici aussi, c'est le déluge. C'est où, Mimi? Il y en a ras-le-bol de la pluie, mais c'est clair, Cédric. C'est clair, ras-le-bol. Nous, ici, c'est tout détrempé partout. Ras-le-bol. Ok, on est revenu sur un point de 4 mm de long. C'est parti, donc je me mets juste au-dessus du ras, là vous voyez je suis au niveau de la petite languette. Je fais un point d'arrêt. C'était trop bien Starmania, on veut bien le ah, faire. Ah, quelle chance. Et je vais donc faire mon petit tour. C'est calmé en entendant la pluie. Oh là là, ça a été tout d'un coup là. Hop, je vais venir jusqu'ici. Hop. Il y a l'élastique qui essaye de s'enfuir. Ah, des fois, hein, il y a des combats entre vous et le tissu. Voilà. J'aime beaucoup ce sac, nous dit Eva. C'est vrai qu'il est sympa ce sac. Quel sac? Ah, celui-là. Quel sac? Merci Chantal. De très bonnes fêtes à toi aussi. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Hop. Ah, je vais vraiment essayer de pousser un peu. Plus de connexion pour savoir qu'il est. Eh ouais. Voilà, je suis arrivée à mon autre petite languette et j'ai terminé mon sac. Il ne nous reste plus que, voilà, donc là, c'est blanc de ce côté, on ne voit pas la surpiqûre. Enfin, on la voit, mais à peine. Et normalement, quand je le mettrai comme ça, on verra pratiquement pas de bleu. Tu viens nous montrer plutôt là-bas. Oui, je viens vous montrer là-bas. Oui. Hop, on peut éteindre la machine. On peut éteindre la machine. On peut éteindre la machine. Ben, la machine à coudre. Ah. Voilà. Hop là. On peut éteindre la machine à coudre. Et là, vraiment, alors, on va avoir quelque chose. On va essayer d'avoir quelque chose qui va être. Voilà. Vous avez. Vous positionnez bien votre pochette fermée. Donc, le rabat est plus petit que
que annoncé quelque part, puisqu'on a, on annonce un rabat de 14 cm et 11 cm, mais en fait, comme les petites anses là sont sur la partie rabat, de fait, quand on le ferme, il faut que ce soit juste au-dessus. Donc ça le plie au-dessus. Petit fil. On enlève les petits fils, on fait les propretés. Eva demande s'il est réversible, où est la languette face côté blanc. La languette, ben, elle sera là. Alors je le mets, voilà. Donc là, je me mets comme ça, par exemple. Hop. Mm-hmm. Vous voyez, là, vous voyez, les languettes sont ici. On ne les a pas mis dans la partie, justement, qui, où du devant et du dos, on les a mis au-dessus de cette partie-là. Sinon, vous, on aurait ce problème-là. La languette serait à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il faut absolument la mettre sur cette partie-là. Donc là, elle apparaît. Et si je vais côté blanc, allons-y. Hop, voilà. Donc j'ai vraiment deux sacs avec les petites languettes au-dessus. Donc je vais pouvoir vraiment... Là, je trouve que celui-ci fait assez estival. Et puis l'autre, le côté... voilà. Alors, je vais remettre de l'autre côté pour l'instant. Ça n'a pas d'importance. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le bouton ou à mettre les pressions. On commence par les pressions. C'est ton sac pour les fêtes, Matt. Ouais. Hop, tu t'y mets demain, là. Bim. Bim. Là, on a pris du temps parce qu'on bavasse, comme d'habitude, mais c'est un sac qui se fait, franchement, vous avez compris le principe. Allez, on va faire un concours. Vous pensez que vous pouvez le coudre en combien de temps? Ok, donc ça, c'est mon petit que j'avais fait. Voilà, donc tout simplement, hein, pour... faire nos... Ah, il faut que je revienne. Je reviens, mais je fais l'aller-retour. Ouais, pas besoin de venir avec moi. Je ne filme pas. Non. 1, 2, 3. Oups. Me revoilà. Donc, poinçon, à vous de positionner bien. Donc, en fonction des petites anses, là, vous le positionnez. Hop. Et vous allez donc chercher, évidemment, un point central. Alors, sur le grand, j'en mets deux. Là, je pense qu'un seul devrait être suffisant. Donc là, j'ai combien? Normalement, je dois avoir 12 en haut, mais 16 en haut. Pop, 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 la moitié de 16, c'est souvent 8, hein, j'ai remarqué. En Gironde, en tout cas. Donc, comme c'est souvent 8, ben, je vais partir sur ça. Ok, je vais me le mettre par exemple ici. Voilà, je me suis fait une pré-marque. Donc, on trouve 1. Entre les deux en même temps, et puis voilà, enfin ça vous avez, vous connaissez la musique, hein, des pressions. Hop, on va essayer de pas coudre les, de pas percer les trois en même temps. Voilà, je voulais juste avoir le marquage. Voilà, allez, c'est parti. Côté pression, je parle sur du plastique sur celle-ci parce que les pressions métalliques font un marteau et ça va vous casser les oreilles. Sur celui-ci, j'ai mis des pressions métalliques. Hop. Ça claque, d'ailleurs. Hein ? Ça marche bien. Ouais. Bah oui, puis c'est rigolo parce que comme il avait des petits, je trouvais qu'il était très sympa celui-ci. Pour ça. Ouais. Celui-ci j'adore. Il est en plusieurs couleurs. J'adore ce velours. Et puis alors celui-là n'en parlons pas. Hein, je... Bref, l'autre, le rouge, je l'avais depuis super longtemps. Je savais pas quoi en faire, mais c'est mon sac de Noël et puis c'est tout. Allez, vous connaissez le principe des pressions. Hop. Donc. Hop. Hop. Puis je peux pas vous mettre un Few Moments Later. Tu devais pas prendre ta guitare pour leur faire une chanson de Noël, hein. Oui, mais bon, je n'y pense guère. Bah ouais, mais écoute. Ah ben, en profitez-en, dites-moi, à moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique du barbu, là, ou si vous avez vu le lancement de la formation? C'est quand même une musique écrite par monsieur Fred Barvec. Hein. C'est une musique complètement composée par lui. On fait des trucs incroyables de nos jours, hein, avec des ordinateurs et évidemment une guitare et une batterie. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Une basse. Un accordéon, mais là, il ne l'a pas utilisé. Un synthé. Un synthé, tu as utilisé. Oui. Parce que, oui, parce que par contre, il joue pas de trompette. Non, ça me déçoit, c'est bon, mais bon, pas tout à voir. Ok, pression. Je viens de mettre deux balles. Merci. Merci à tous. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, mettre deux pinces de pression mâle.
là il va falloir la casser et tout ça. Donc... Ah, tu t'es trompé. Bah oui, mais c'est eux, ils arrêtent pas de me parler alors. Voilà, mais ça c'est la cabane. Ça c'est l'esprit cabane. Ça c'est l'esprit cabane. Sophie qui fait n'importe quoi, mais qui assume. Donc vous avez ici deux pressions. Heureusement que je comptais l'offrir à personne ce sac. Enfin, si, mais je vais lui en refaire un. Bref, donc. Pensez à mettre des pressions mâles. Donc mettez, et pensez à mettre des pressions mâles et femelles. D'accord, voilà, donc c'est celle-là qui va là, et comme ça, après, ça ferme, voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est ça. Ça, il ne faut pas le faire. Mais au moins, je vais garder ce sac pour montrer à chaque fois ce qu'il ne faut pas faire. Voili, voilou. Allez, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Boulette encore. Nous, si on n'a pas notre petite boulette... Ah, ben oui, mais ça, c'est le live. Hein. J'en fais à chaque fois des boulettes, hein, les amis, quand je fais des tutos. Je pensais qu'avec le problème d'électricité hier, on avait déjà fait notre boulette, ben non. Moi, je fais ma boulette personnelle. Ok, bon. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Alors, vous allez m'aider à choisir mes boutons. Et vous aurez compris, il suffit de coudre un bouton d'un côté, un bouton de l'autre, dans cette partie-là. Et comme ça, eh bien, vous avez un sac qui est réversible. Alors, je suis allée chercher dans mes boutons, dans tous les boutons récupérés. Je pense que j'ai celui que je veux. Je vais utiliser une chaîne dorée. Ici, les paillettes sont plutôt argent, mais bon. Je vais quand même utiliser une chaîne dorée pour aller avec ce sac, puisque j'en ai une là, qui est dorée et noire. Elle est où? Je sais pas, elle est par là. Donc, on va utiliser des boutons dorés. Alors, des gros boutons. Le mieux, c'est des boutons qui ont ici ce petit anneau, plutôt que des boutons de ce genre. Parce que c'est un peu plus plat, donc c'est un peu plus casse-pied pour passer l'élastique. Alors que ceux-là, c'est très facile de les accrocher. Je crois que je vais partir sur celui-ci. Mais je vous laisse me donner votre avis. Salut Nat. 3. Il y a Allez. Pas mal de gens qui commencent à aller manger. Ben oui, allez manger. On va arriver au bout. Ben on arrive au bout. Voilà, je ne sais pas entre ceux-là. Celui-là. Je crois que c'est mon préféré. Donc ça va être celui-ci. Et de l'autre côté... Celui-ci. Allez, ces deux-là. Même s'il est un peu gros, on va voir si ça passe l'élastique. Imaginons. Oh, ça va être casse-pied celui-là. Allez, ces deux-là. Hop, c'est parti mon kiki. Fil, aiguille. Et on coupe. Alors, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et puis aller de l'autre côté et coudre l'autre. Mais je trouve que c'est un peu fastidieux. Donc, on va coudre celui-ci. On va juste repérer son emplacement. Donc pareil, hop, je me pose juste après l'aisance, hop, bien aligné, je pose mon bouton, poup, il sera ici. Je vais me marquer ça, hop, voilà. Allez, fil aiguille et puis on aura terminé. Bon appétit Catherine qui est à table en notre compagnie. C'est... Qu'est-ce qu'elle mange Catherine? Bon, ça va avoir faim moi aussi. Hop. Toast au saumon. Toast au saumon. Ordi sur la table et toast au saumon. Et ben, on se retrouve. Ah, il y en a qui se mettent bien, hein, vous avez raison. Hop, fil, aiguille, excusez-moi, ben, je croyais que j'avais tout. Allez, viens ma poupoule. La poupoule vaudou. La poupoule de Marie-Jo. La poupoule vaudou de Marie-Jo. Bon, je ne vais pas vous apprendre à coudre un bouton, hein, je le fais très très vite, non, le temps écoute, qu'on se... Ce que je me disais, j'avais Delphine Cousette qui avait commencé à répondre, ça m'avait fait un repère, mais où vais-je le retrouver dans le chat? Ah, pour les brodeuses. Bah oui, puisque tu as posé la question. Mais oui, donnez-moi, donc du coup... Après, moi, je vais pouvoir retourner dans le chat, mais ça peut intéresser certaines personnes. Bah ouais, mais je n'arrive plus à retourner dans le chat. Moi, je voudrais une brodeuse où je peux quand même un petit peu programmer des, pas avoir que des choses qui sont déjà toutes prêtes. Je sais pas comment ça marche. Hein. Honnêtement, les brodeuses. Alors là, je vais pas commencer à avoir une brodeuse et vous faire des cours de brodage, de broderie sur parce que je n'ai jamais utilisé. Donc, je ferai comme je fais d'habitude. Je vais explorer, puis je vous ferai des comptes rendus de mes explorations. Et surtout, je vous demanderai de l'aide pour m'améliorer. Ok, allez, je couds ce premier bouton. Puis l'autre, je le coudrai plus tard. Hop. De toute façon, c'est de ce côté-là que je vais utiliser mon sac, hein, honnêtement. Je ne sais même pas si je vais en coudre un de l'autre côté, parce que je vais vraiment l'utiliser de ce côté. Je trouve que sa consistance est très bien, là, avec le H, je ne sais pas combien, mais la double... hop. Le double entoilage, il est très bien en consistance. Il ira bien avec cette robe, parce que j'ai décidé que j'allais plus la quitter.
Ça, c'est parce que tu as porté toujours le même haut pendant le tournage de la formation. Maintenant, tu es habitué. Non, mais je suis en train de tomber amoureuse avec les têtes de manches froncées. C'est par là, je suis en train de remonter, ça y est, je commence à arriver dessus dans le chat. Il y a Grenouille qui nous disait, ne coupez rien dans les replays, c'est tous ces petits commentaires qui font le charme de la cabane. Ah. C'est ce que vous êtes très nombreux et nombreuses à nous dire, mais il y en a mais il y en a qui toujours disent, ouais, pourquoi tout ce blabla? Pourquoi tout ce blabla? Mais parce que c'est un live, madame. On a quelques rageuses. Non, on n'en a vraiment pas beaucoup. Non. On a une communauté très, très que bien. De l'amour dans cette communauté. Alors, Delphine voilà. Cousette nous dit qu'elle a une brodeuse Brother. Ouais. Vraiment super. Ouais. Mais il faut juste le logiciel qui va bien. Mm-hmm. Faire attention aux tailles de cadre pour pouvoir broder sur les supports qu'on utilisera le plus. Et pour l'instant, je veux une brodeuse, mais je ne sais pas du tout à quoi elle va me servir. J'en ai envie d'une. Une Bernina 830, très capricieuse. Ah. Voire plutôt pourtant, Brother. Bernina, c'est The... Ouais. Elle dit plutôt Brother, selon elle. Ah ouais. Je sais pas, moi j'ai... Bah après, j'ai eu avec Brother, j'ai eu une super machine et une machine vraiment nulle. Alors, je sais pas. C'est pas, voilà. J'ai fini donc. Je ne vais pas. Ce petit bouton ira de l'autre côté. Ou alors un bouton argenté pour pouvoir vraiment changer de style puisque je peux facilement changer. Il ne me reste plus qu'à accrocher ici ma anse. Mon anse. Eh bien, si j'y arrive, hein, parce que je peux pas accuser la chaleur, là, c'est juste mes doigts. Oh, je l'ai tourné comment, je sais pas. Bon, enfin bref. Donc, je vais accrocher l'anse. Et puis après, je vais aller faire ma belle au réveillon de Noël. Avec mon petit sac. J'attends sur les réseaux vos sacs réalisés parce que je suis curieuse. Et puis il me reste à on va regarder ensemble ce que ça donne, mais il va nous rester juste à vous remercier d'avoir été là toute cette année avec nous. Ouais. De nous avoir accompagnés. On va mettre 2-3 trucs dedans. Tiens, on va mettre un autre sac dedans pour lui donner un peu de voilà. De nous avoir accompagnés toute l'année parce que c'était vraiment une année assez incroyable qu'on a passée avec vous. On est donc à 160, presque 15 000 abonnés. Et c'est incroyable, c'est toujours aussi incroyable. Et puis bon, la formation et toutes les vidéos qu'on a faites, le fait qu'effectivement on a accueilli Roman avec nous cette année et qu'on pouvait pas, on avait besoin de quelqu'un, ça s'est goupillé comme ça. Il se trouve qu'effectivement, c'est. Hein ? On n'aurait pas pu. Non, on n'aurait pas pu parce que. Oui, on ne veut pas juste vous faire des petits tutos à la sauvette, on voulait à chaque fois apporter quelque chose. Et c'est du boulot. Voilà, mais c'est un boulot qu'on adore, donc voilà. Bon, comment vous le trouvez, franchement, pour un sac avec 4 coutures, c'est quand même pas mal, non? Franchement. Moi, je trouve pas mal aussi. Avec celle-là, bon, évidemment, là, c'est une chaîne que j'avais. Hein. Ça se trouve assez facilement, hein, ces chaînes-là, vous pouvez en trouver des argentées, des dorées. Voilà, et puis je vous dis, celle-là, là, que j'ai pas installée, mais celle-là, c'est quand même 4,50 € le mètre. Hein. Donc j'en ai eu pour 5 € pour cette chaîne-là. Donc si j'avais mis cette chaîne à la place, ça c'est un morceau de tissu, c'est des chutes de tissu, c'est un vieux bouton que j'ai. Donc bah, c'est un sac à 0 €, quoi, pratiquement. Bon, donc un sac de Noël, un sac de réveillon à 0 €, moi je dis, vive la vie. J'achète. J'achète, bah non, c'est à 0 €. En tout cas, je vois... sur le chat qu'il a l'air de vous plaire ce petit sac. Il vous plaît ce petit sac, franchement, je trouve qu'il suffit de prendre le tissu, quoi. Il faut trouver le tissu qui va bien pour lui donner un petit quelque chose en plus. Voilà, c'est tout. Et je pense que vous me direz si vous le faites avec les enfants, le petit, sachant que vous pouvez évidemment, vous avez compris comment ça fonctionne, changer les tailles autant que vous voulez, hein, puisque plus large, ça, il suffit de faire plus large. Et puis ensuite, vous augmentez la même chose, les trois. Voilà. Donc vous faites par exemple 20, 19 et 18 et ça va marcher. Et oui. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on se dit? On souhaite une bonne fin. On leur dit début janvier. Ouais. Parce que le 24 décembre, vous aurez autre chose à faire que de passer du temps avec nous. Mais si vous vraiment vous savez, on vous manque, vous aurez plein de vidéos à regarder. Et pareil pour le 31 décembre. Donc je vous souhaite d'avance
un très bon Noël et un très de bon très réveillon. Hein, Noël pour d'un côté. Dire, nous, on va passer les fêtes un peu en famille. Oui. Parce qu'on était enfermés depuis des mois dans notre cabane. Voilà. Donc là, on va aller se promener un petit peu. Et ben écoutez, on vous dit. On vous dit à très très bientôt. À l'année. Merci d'être prochaine. Là toujours et puis de permettre de continuer l'aventure avec vous parce que. Ma foi, c'est assez sympa. Ouais, c'est chouette. On aime toujours autant. J'espère qu'on ne vous lasse pas. À bientôt. Bonne fin d'année. Bisous à tout le monde. À l'année prochaine.